Salut à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Voilà, c'est la famille Fafa, toujours votre humble serviteur devant vous. Ramzi le Taïri, moi vous connaissez, non? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Voilà, je reçois aujourd'hui quelqu'un qui monte en puissance, quelqu'un qui a un talent vraiment incommensurable. Mais souvent, les gens disent, mais il raconte quoi? Il dit quoi? On ne comprend pas. Hein? Raison pour laquelle aujourd'hui, on a décidé de le recevoir. L'homme s'appelle Fio de Bio. Je vous passe le clip. Popopou, Osu, Alele. Et on revient juste après ça. Alors la famille, nous sommes de retour après ce très beau clip de Fior de Bio, toujours. Alors, Fior de Bio. Voilà mon vie, bon balada. Merci, Fan. On dit quoi? Ça, bon, c'est le Saint-Esprit toujours. Quand je me réveille, moi, au carrefour, Abraham, Moussa, chien est décédé. Il fait mes prières. On est parti, la journée continue. Quel carrefour ça? Carrefour Abraham, à Gonzague là. Tous les habitants de Gonzague vivent carrefour chien, où chien est mort. À qui la faute banque lui là, non? On n'est pas gagné un ancien, non? Carrefour Abraham, il est con. Il est con. Il fait ses souhaits, chaque matin, il est allé. Chien même qui fait ses souhaits, il est con. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Alors, Fier de Bio, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Dis-moi, Fier de Bio, ça sort d'où? Ça signifie quoi, Fier de Bio? C'est quel chai? Comme on dit dans le jargon. Fier de Bio, c'est tout le chose. Mais si je décris Fier de Bio aujourd'hui, là, peut-être que courant va se couper, l'émission n'a pas terminé. On dit que non, Fier de Bio, c'est saluté, Fier de Bio, c'est ceci, c'est là. Fier de Bio, à la base, c'est un nom, c'est les génies, tu vois, non, c'est les esprits, c'est tu vois. Non. Dis-moi, autant je suis parlé qu'un nom. Il parlait les deux. Donc, c'est encore. Quand toi-même tu t'entends, tu vois les anges monter, tu vois le Saint-Esprit, comment tu vois le sou aller, comment les comment tu vois comment ça se passe, ouais, sans quoi ouais. Sans que ce soit en hébreu, ouais. C'est le Saint-Esprit qui m'a appelé, il m'a dit son fils est décédé, lui il a quel enfant. Il n'était pas charpentier, Jésus n'était pas charpentier, après c'est quel enfant, il a appelé. C'est nous, c'est représentants, mais c'est bien dans la musique, ça va pas forcément venir chanter comme gospel, on venir chanter dans le moment qu'on... Mais nous là, c'est un moment, on chante les anges. C'est le Saint-Esprit qui nous a appelé un matin pour nous dire son fils est décédé. C'est ce que moi j'ai à vous dire. C'est Fier de Bio, c'est bon balada. Après, c'est parti au Nigeria. Il a fait 3 mois au Nigeria. Il a causé une vieille maman vie. Un bon balada, elle m'a appelé un matin pour me dire mon fils, comment c'est qui a eu en Niger? Sinon, moi, il est un Niger. Mais c'est bien ici venir habiter. Tu es un Niger? Ah bon? Tu es Nigérien? Va sur mon Instagram, t'as vu, mi Fier de Bio, bon balada, bon chewing-gum, dada, vim, bofia, olé. C'est un Togolais. C'est quand il fait 2 jours au Togo, au bord là. Soyez tombé l'homme là. Tribabo, Tobago là, nous avons œuf là. Ok, alors allons doucement. Fier de Bio, allons doucement. Alors, Fier de Bio, dis-moi. Tu as raconté tout ça, oui, mais. Voilà. C'est Ariel Chené qui te produit, c'est ça, non? Tu es le poulain d'Ariel Chené. Alors, comment Ariel Chené te découvre? L'histoire a démonté. Bon, à mon avis, moi, Ariel Chené, c'est une longue histoire, en fait, tu vois. Moi, j'étais à Soi Tomé, quelque part, là-bas, dans un Soi, un chico Gilleron. On dit que les gens ont fait moins. Tu sais, avant de son pays, il était à Libo. Tu vois, après, ma vie m'envoie à Accra, Tacouandé, si il est venu maintenant à Noé. Noé, c'est leur village. C'est leur village. Moi, je suis un petit gagné. Maman s'appelle Cassie, à ma Marie-Claire. Elle te contacte, la connaît. Elles vont pas le grand marché. C'est sa grande soeur qui m'a pris. Elle son grand frère. Ils m'ont envoyé là-bas. C'est la fréquentation école. Elle m'a dit non, mon fils va là-bas, va étudier. Et il y a trop de charges. Elles m'ont envoyé là-bas, soyez tombé. Là, soyez tombé maintenant. Moment, deux tas de nausées. Oh, tu couches, oh, tu couches. L'autre là, il est au CB. Il dit, mais t'as les liens. Elle m'a dit, t'as quel est bon banqué, moi. T'as quel. Mais moi, là, bon, appelé à l'homme enfant, c'est quoi tu fais? T'as dit, laisse tomber, c'est là, j'ai plus leur famille. De là, mon arrêt, j'ai la vie. Et tu es bâtard, la quête est finie, bon, après, fais un autre freestyle. Et puis, j'ai dit, un moment de chien, haut du couche, que job d'un côté rap. Donc, c'est censé. On a appelé à l'homme enfant, tombe sur moi, Abidjan. Il n'y a pas les armes à vie. Elle me dit, non, continue tes études d'action et tomber. Mon enfant n'a besoin de pas, il tape l'œil pour m'appeler à Abidjan. Je sais, t'as même appelé pour dire, viens. Je me dis, non, souris tomber, les gosses, tape là, toi, non. Quel est parlé de mon Barthélemy Nabo? Tout le monde des roseaux vacances, ça me dit où tu as mis. Quand je peux causer à lui, c'est les aises venus maintenant à Abidjan. Tu arrives à Abidjan maintenant, arrête chini, venu tout le gros maman. Fouka. On rentre, il sort, il dit, mon fils, attends, on rentre, on sort au studio. Petit moment, ça décolle. Voilà, Fier de Bio. D'accord.
Alors, il disait par exemple que, voilà, avec Ariel Chenet, il a fait des vidéos, il n'était pas ici, il était à l'extérieur du pays, il a fait ses vidéos et tout, Ariel Chenet l'a récupéré, Ariel Chenet a vraiment aimé son style, Ariel Chenet a aimé sa vibe et tout, c'est comme ça que Ariel le contacte pour dire, bon, mon petit, moi, je veux te produire, je veux qu'on soit ensemble et tout, et voilà, ils sont rentrés dans le studio. Voilà, au début, les gens pensaient que c'était juste des choses pour faire rire les gens, alors que lui, il avait son talent de rappeur en tant que tel. C'est comme ça qu'il sort un titre rap, ça prend, Ariel Chenet décide aussi de l'accompagner dans le mouvement, et voilà aujourd'hui. C'est pas un titre rap, hein. C'est un titre boumbarada, c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui a qu'air de chanter. Hein. On ne dit pas qui invoque le Saint-Esprit dans tes sons. Tu as besoin de soulever le Kotoku, tu as besoin de l'information de ça. Alors, Pierre Lebert, dis-moi. Le style que toi tu fais là, c'est du bon baladon évident. Ah, c'est pas du rap. C'est loin. Bon, moi il fait du rap malade, sensé, rap, mais ça prend pas. Bon, quand il fait comme mes fans qui sont pas à l'aise, il faut faire bon baladon. Non, le bon baladon, c'est pas le style en fait. C'est pas être de bon baladon, c'est vrai. Il y a un rap, il y a son moment. C'est où casse moi j'ai venu un autre moment. Pour organiser la scène des jeux, le bon baladon. Il y a signé bon, et puis j'ai signé deux jours la même temps, 30 ans de nouvelles, il y a signé au moins trois artistes quoi. Ils ont fracassé au moins, tant qu'on veut. Il y a signé un premier, le piqué l'homme qui a rien demandé à ça. Bien sûr. Les partis, chacun dit que c'est un mélange. Ouais, c'est une culture, c'est Matico, c'est nous, on prend un peu en Arabie Saoudite, on vient ici, on prend un peu, on ne force pas. Moi, c'était Matico. Elle a chanté aussi, la vieille mère. Chanta Taliba, le bar des forts. Elle a chanté aussi. Et pourquoi ça a pu aussi? Ça fait un million de vues. C'est les mêmes choses, ils ont répété. Et comment? Il est mort comment zagué. Espoir 2000, lui dans oui, c'est ça. Combien c'est le même mot du son, c'est une étude, c'est une expérience. Comment il voit, comment il prend les vieux moments, il prend les enfants, il canalise tout le monde, ça fait un million. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent, n'ont pas encore le million. C'est une étude. Comme, ils ont ça, ils ont talent, ils ont tout, mais ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas le développement, ils n'ont pas l'ensemble. Donc, ils n'ont pas. L'ensemble, ils n'ont pas le bombarda. Qui a le mieux? Ah, mesdames et messieurs, je suis très content d'être avec mon jeune frère parce que j'aime sa fougue, j'aime son. Il a un truc spécial que beaucoup d'artistes n'ont pas. Voilà, il explique comme ça que c'est son style à lui qui est le bombarda. Donc ça veut dire que tu reconnais que le bombarda, il y a aussi du coupé décalé dedans. Comme ouais. Quand tu dis, tu prends un peu partout. Parce que ton beat même là, le beat même du Kokopo, ça c'est du coupé décalé. Bon, certaines personnes vont dire, oh, que c'est pas du coupé décalé, même. Comme toi-même, tu es là. Voilà, tu as pris un beat bon. Coupé décalé, tu as mis toi-même tes propres inspirations dedans et tout ça. Mais, si c'est une composition de ouf, et je comprends quand tu entends soit c'est un moment de. C'est instrumental. Quand tu as mis le couplet même, le couplet même, c'est en mode rap, en mode petit choco, après on revient, encore bled. Tu vois, quand on revient, on donne la tentative dans le clip, Madeleine Dokoun, tu la connais. Depuis 95, elle est plutôt Bénin, elle est venue, elle m'a dit, mon frère, je m'installe à Abidjan pour répondre à des activités. Il y a gain au Bénin, donc on l'a chassé de la pluie à la frontière. Elle est venue, elle est qui? Non, c'est moi qui soutenais la tentative là. Mon père, il a donné une maison encore acheté. Donc, du coup, pour faire plaisir à la tentative là. La télé vient dans mon clip, dans mon document. Moi, je suis obligé de changer. Mais il dit dans le mal. Il a fait le coup de pied, c'est une belle part. Ils ont un connaissance, ils n'ont pas l'expérience, ils sont couchés. Après, là, eux, s'il te plaît, arrête pour un taxi. Donc, à l'époque, on va pas donner un arbre. Non, on trouve, non, on dit. Chacun des problèmes. Tout ça, c'est ce que tu n'as pas connu, tu n'as pas dit. C'est ce que tu as dit là-dedans. Non, c'est un moment, c'est charmant. Ils ont. Les parents, ils ont dit, il faut que je graisse. Vas-y, mets-toi le charmant, quoi. Chacun, il dit que non, on dit. Petit bel, il est calé, il va pousser pour bel. Ça dit qu'il n'a pas de meilleur fruit. Non, c'est pour ça que j'ai expérimenté dans la vie. Au vif, il faut venir à mon mot, à sauver tout. Pas le léger, à continuer un peu partout. Pas ça. Ouais. Moi, je chante les jeunes enfants. Alors, frère, quand est-ce que tu dis aujourd'hui des personnes qui disent que voilà, les jeunes. Mais est-ce que tu t'inscris dans quelle catégorie? Rap, ivoire, coupé, décalé, tu t'inscris dans quelle catégorie? Mais c'est pas moi-même, ici à part, eux, ils vont venir à moi. C'est con. Tu veux que les disciples, je suis quelqu'un d'appelé, c'est eux-mêmes qui sont dit. J'ai même appelé depuis que non, mon papa m'a dit, lui, elle est des disciples, les disciples. Quelle est celui-là? Il a beau, tout le monde est un charpentier. Il fait là sur moi, c'est le mort qui a donné des chaises, vraiment, qui a donné des chaises. Oh, c'est vieux, mon gars. C'est pas, il dit, il vous met, c'est quoi? Il est venu son ami, il est venu à la compagnie, il a donné des chaises. Il a dit, c'est juste ce fils de Dieu qu'elle a. La péchesse, c'est lui de changer. Il a fait un chat du bénin, il a lancé la bonne parole tout le jour. Voilà, je l'ai dit, il a appelé ses amis, ses cousins, tous ceux qui sont venus sur les 12, tout le monde est venu à la vidéo. Les 12 ont dit, c'est les 200 vidéos. Donc, ça veut dire que toi, dans ton mouvement, ils vont venir. On s'est ralliés bientôt. On s'est ralliés. Alors, Fier de Bio, dis-moi,
qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la nouvelle génération qui fait du rap? Parce que toi aussi étant dans ton style, tu as dit que tu es un bon rappeur, tu veux faire des rap, machin, tout ça, mais toi, tu as choisi de créer ta propre musique à toi. Tu as créé la propre musique maintenant. Voilà, qu'est-ce que tu penses aussi de ceux, des jeunes, des nouveaux rappeurs, comme peut-être les Bimous Carter, les Amafor, tout ce bruit-là, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? Dans l'avenir, tu vois, chacun sa manière d'exprimer, chacun son talent. Moi, je ne vais pas faire comme eux, je me suis démarqué, je me suis mis à côté pour que j'ai l'amour. Mais si ils sont derrière là, c'est bon, c'est une bonne chose parce qu'avec eux, il y a beaucoup de collaboration, on va faire beaucoup. Tu vois, donc, en ensemble, tu vois, ils sont bons, ils ont du talent, on peut aller de l'avant, c'est la nouvelle génération, tu vois. On va succéder et puis. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent que aujourd'hui, le rap, tu vois, aujourd'hui, voilà, il n'y a rien de bon. Voilà, les gens racontent, les rappeurs d'aujourd'hui disent rien de bon dans leur musique. Voilà, c'est des punchlines à deux balles, avec des punchlines qui ne veulent rien dire en fait. Qu'est-ce que toi tu dis de ça aussi? Si elle veut écouter la musique, c'est elle qui dit ça. Moi, il y a jamais vu. Mais si elle veut écouter la musique, un message pour eux. Donc, elle veut écouter Garou, donc elle veut écouter Céline Dion. C'est vrai qu'on est sous le vent, assis dans son. Quelle chanteuse elle? Toi, freestyle, auquel elle est tout. Quand elle veut savoir Céline Dion, quelle chanteuse elle? Quelle chanson? On chante ce qui va rien, rien ça. Tu vois, tous les Ivoiriens, Ben Kate par exemple, il a ses diplômes, il a son brevet, il a son bac, il a tout. Mm-hmm. Mais il ne peut pas venir chanter, ouais, rap français. En France, là, en France, tu dois parler comme eux pour que vous compreniez, ouais. Bien sûr. Tu dois chanter comme eux. Ouais, c'est vrai. Mais tiens, t'as bien, tant que t'as bien, fais pour si là d'abord, quand t'as pour si là, va là-bas. Non, pas de ménage. J'espère que c'est bien compris. Il a très bien expliqué là. J'espère que tout le monde a compris. Alors, Fier de Bio, dis-moi, comment ta carrière s'organise aujourd'hui? Après, parce que après pour Soualele, quels sont les singles que tu as déjà sortis? Parce qu'apparemment, tu as fait que des featuring, tu n'as pas encore sorti de singles après ça. Il y avait un petit souci au niveau de l'organisation et tout. Je pense que dans ces deux jours-là, ils vont sentir que je suis tombé à vraiment sentir petit. Et puis la deuxième personne qui s'est déjà senti les mêmes. Donc on dit à Abdoma, c'était caché. Ils sont beaucoup, ils sont des gars bien cachés. Tu vois, au chute très vite, en bas, les lits, les malades, sont des cachés. Faut décaler. C'est même modèle pour Pipi. Non, c'est pas mon modèle. C'est pas mon modèle. Ils vont sentir ça deux jours, ils vont sentir. À quoi Bao, vous venez d'arriver. Vous ne prenez pas le premier son, alors que tu peux vous soigner. 1 million 1 en même temps, 1 million 3. Et tu. Si tu es mon enfant et que tu es 1 million encore. Il n'aura pas savoir que c'est quelque chose qui arrive. Et tu comprends? Mais les gens disent que tu n'es pas capable de faire sortir un gros truc comme tu as sorti le palais ou quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter. Bon. Et après ça, voilà, tes détracteurs disent que il a fait sortir ça, c'est pas chance, ça a marché, il a fait le million de vues. Mais est-ce qu'il est capable de faire mieux que ça? Et tu n'as pas écouté le nom de Yale, n'a pas écouté le. Laissez, vous allez dire, Abidjan a senti deux jours là. Ouais, les poupées, la bonne nouvelle, vas-y. Il a allumé mon encens, il marche un peu dans la couille aussi, ils vont entendre. C'est tout ce que moi j'ai dit. Ok, d'accord. Ils vont entendre. Alors, au niveau de ta maison de production, qui est Ice Records, qui est Ice Records et tout, voilà. Toi, tu as dit qu'il y avait un souci au niveau de l'organisation. Il y a eu quoi réellement et puis ça a traîné comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous affaire? Il n'y a rien eu de mal, mais vous savez, on est dans une structure, c'est Ice Record qui gère. Oui. Mais nous sommes nombreux, en fait, tu vois. Ah chacun, bon. chacun. Là, mon vieux moi, il a moins de 8 artistes, tu vois. Il a moins de 8 artistes maintenant. On va pas se concentrer sur lui. Nous tous sommes passés, mon vieux, et avec moi, mon vieux, même en voiture, mon vieux, il va dire que t'es qui? Ça va chier au fait. C'est vrai que tu nous as appris, on est tes fils. Tu veux booster, mais chacun doit voler un peu. Chacun doit montrer que viens-moi aussi derrière. Viens-moi aussi derrière. Là, quand lui-même te montre un peu, viens-moi même ici. Il va que tu lui es derrière. Puis viens-moi même, mais viens ta main sur toi. Sinon, c'est un moment, on est dans une famille. Papa permet, l'autre là qui lui paye, là, il y a bonne moyenne en classe. Il est con. Toi aussi, là, ça te servi de leçon. Demain, tu as propre aussi, tu as fait comme lui. C'est un moment con. Donc là, ça fait que lui-même, dans sa carrière, géré aussi. Ouais. Tu vois, donc, les speed, les Simon aussi là. Tu vois, là, c'est pas lui qui a géré. Il a mis les morts pour dire, toi, gère lui là-dedans.
Mais moi, c'est son speed. Mais Pokopou, là, c'est lui qui a arrangé ça. Hein. C'est lui qui a fait le beat, c'est lui qui a arrangé ça. Mmh. Ah bon, qu'est-ce qui a arrangé le son? C'est Tamsi, tout le monde le connaît. Avant, le papa n'a Tamsi qui a fait le son. Je profite pour saluer, faire un coucou à mon jeune frère Tamsi, qui est très 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 excellent, je l'ai eu au téléphone, il m'avait dit que voilà, il a décidé de s'installer pas loin d'ici. Voilà, je passerai à son studio pour lui faire un coucou. Alors Tamsi, je te fais un coucou. Je profite aussi pour saluer Monsieur Jean-Luc Agoy depuis Casablanca, qui aime beaucoup la chanson Popopou et puis Piqué Piqué. Voilà, il aime bien ça, il aime bien cette chanson. Je salue aussi Ange J, je salue toute la famille qui nous suit. Voilà. Alors, Fier de Bio, il y a beaucoup de polémiques dans le milieu, il y a beaucoup de clashs, il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de petites querelles et tout ça. Voilà, mais au sein du rap, on sent que les gens s'entendent un peu. J'ai vu un clip de Kif Nubit où il y avait beaucoup de rappeurs dedans. Voilà, toi-même, je t'ai vu dans un clip où tu n'as pas chanté, mais tu es dans le clip et tout ça. Voilà, apparemment, vous avez décidé de vous organiser autrement, contrairement à d'autres musiques où les gens se clashent tous les jours. N'est-ce pas? C'est la musique, mon vieux. Tu vois, non, la musique, il y a toujours hypocrisie, il y a toujours sorcellerie. Si on dit la musique, ou bien, non, c'est bien, moi, c'est Dieu, si tu veux que ça soit bien. Va faire gospel, va chanter chaque jour à l'église, le pasteur. Ou bien, t'as dit d'être là, non? C'est un moment que ce soit, même dans le gospel, tu perds les honnêtes, malades, se clashent par les morts de Angélique Couton. Les morts de gospel. Et se clashent, chacun se clash, mais l'autre est talent. Tu sais comment, tu ne veux pas voir ton. Même en classe, tu peux mettre les clashs. Dernier, tu as été envoyé les morts pour des. Tu vois, il y a toujours sorcellerie partout, mon vieux. Rien peut être blanc, même dans ton blanc, il y a petite tache encore. Et tu me souviens, tu vas tuer, la rouge va sortir. C'est pas sorcellerie. Qui a envoyé le moustique là? Il savait que tu es bien habillé. Tu marches même. Ouais. Ça fait qu'il y a un moment partout. Ça veut dire que toi, sois vigilant, toi, concentré seulement sur ton mouvement. Persévère seulement. Sinon, si tu es réel, ça va finir comme les morgons là. D'accord. Mais Fier de Bio, est-ce qu'il y a certaines majors qui t'ont approché? Parce qu'il y a des majors en Côte d'Ivoire, bon, on ne peut pas citer leurs noms, mais qui ont signé des rappeurs, qui ont signé les gars. Est-ce que toi, on t'a pas vu le buzz que tu as actuellement? Qui sont ceux-là même qui t'ont approché ou bien tu n'as pas encore approché? Si. Mais moi, c'est pas déjà oublié, c'est que là, les besoins de production, c'est le même moment. Tout le monde est dans le même moment. Moi, c'est derrière mon vieux, mon arrêt, je suis commencé ensemble. On devait démarrer ensemble. Pas moi. Sinon, c'est le même pour plusieurs gens. Ils disent, mon fils, travaille moi. Je vais me donner quoi aussi. Il n'y a pas de vie là pour te donner. Si y a l'homme qui a quête, il dit que là, bon, ils sont où? Vous me regardez, non? Grande maison, vous me regardez, non? On se voit, non? L'homme qui a quête, il dit que fier, il la villa pour toi, ton studio dedans. Il y a au moins deux hommes qui nous se garer dedans. Là, pour machiner, pour toi, viens. Vous voulez venir habiter. C'est bon? Ouais. Donc il n'y a pas le caquet. Ça veut dire que mon fils, c'est quoi? Allons de nous quand même. Toi-même, beau. C'est que Dieu, c'est pour toi, faut pleurer. Qui va te donner? C'est important. Alors, Fier de Bio, quels sont tes rapports avec les artistes de Côte d'Ivoire? Et même si on parle de rappeurs, on parle de coupé décalé, est-ce qu'il y a certains avec qui tu t'entends le plus? Vous appelez souvent, vous voyez? La majorité. D'accord. Que ce soit les morts de l'ancienne génération, les morts de la vieille. Mais mon tel beau, c'est petit, c'est cool. Il n'y a jamais manqué, il reste à quelqu'un, tout le monde le sert. Si y a quelqu'un qui dit que non, il n'a pas envoyé un message en vidéo. Il n'a pas envoyé un message, il va te dire que fais-le en parler. Moi, il respecte tout le monde, manager, les bois, donner tout le monde, gros bras. Mais c'est nous tous, on est là, c'est vous tous qui donnez la force. Il n'y a jamais discuté avec un artiste, quelque chose. Ensemble. La bonne nouvelle. C'est fini la paix du pain. C'est bon. Alors, Fier de Bio, vraiment, tu me fatigues. C'est-à-dire que je ne sais même plus ce qu'il y a de dire. Dis-moi, au niveau de. Comment on peut dire ça? Tout le monde n'arrive pas à comprendre souvent quand tu parles. C'est-à-dire quand tu parles. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit quoi? Il est fou? Ou bien il fait quoi? Beaucoup de gens te traitent de, on va dire, de quelqu'un qui se drogue beaucoup. On est à Fafa, on dit les choses comme, voilà, tu sais que, voilà, moi le dernier, j'ai aucun problème avec toi, tu vois. Mais c'est une question qu'on m'a demandé de te poser. Si là, on dit, mais Fier de Bio, il se drogue trop. Alors ça, quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit. Fier de Bio, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? C'est irrespectueux, en fait. Tu vois? Et un enfant, son père est député,
les quitter là. C'est pas vraiment petit moment de star bizarre, bizarre, j'ai eu la galerie. Moi, pas connu, moi, bizarre, bizarre, des galères. On dit que non, les galeries. Mon père est député à Limombo, voilà la maison, voilà la palace, voilà la royaume. Mais là, c'est qui m'est démarqué. Et si tu joues tous les enfants de Choco, ton papa, ça, ton papa, ça, Goba, tous les jours, qu'on compète, tu vois, moi, je m'enlève, je joue les petits. C'est qui ici, pas il fait. Tu comprends un peu? Les grands drogués, les Côte d'Ivoire se connaissent, mais elles n'arrivent pas à me calenter. Donc, c'est les mêmes drogués qui m'étaient des drogués. Parce que même, eux me sont drogués, ma femme, combien de petits, t'es drogué, donc, c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé. Donc, tu prends, mais tu prends pas. Bon, l'homme qui dit les drogués, tant que ça me fait graille, il prend. L'homme qui dit les potes, il prend. L'homme qui dit les pasteurs. C'est que toi, tu ne discutes pas avec quelqu'un. Non, c'est pas tout ça. Bien le mien, voilà mon bon. Je suis fan. Je vais me demander, si on a construit une maison, on dit, ça, maman. Si on a construit une maison avant, c'est le gouvernement. Si le gouvernement me regarde, donne-moi une maison avant. Petit studio, il ne voit pas ce qui va se passer dans le pays là. C'est tout ce qui monte, c'est quoi. Si le gouvernement t'a donné une chambre salon, agnement, vas-y c'est pour toi. Petit maison, tu dis tes gars, dis-y les gars. Petit tonton, tu as quoi à peine. Tu chantes, tu as quoi à peine. C'est quand tu veux faire tout effort, tu vas m'envoyer, tu t'es ici, tu habites à Soho, toi tu rentres ici, on dit que. Voilà les petits Niger, ils sont là-bas, ils sont couchés là-bas. Ils sont dans la maison, ils ont tout. Tout le monde, pourtant ça peut dire qu'il a monté. C'est ça. Le gouvernement, une maison agnement. Petit moment, vigile est là. Petit bout, il est là. Bam, c'est tout. C'est ce que toi tu veux en fait. Mais ton protecteur peut faire ça pour toi. Ton protecteur avec Chine peut faire ça pour toi. Ah, ça le faut. Non, avec Chine, il peut faire ça pour toi. Là, ça le faut. Ah, ça le faut, attends, c'est mon vieux. Ah, ça le faut, c'est le bon petit de mon vieux. Si la quête dit que je ne suis pas le bon petit de mon vieux, la quête. Et il a supprimé photo de mon ravi. Ah, ça le faut, à mon beau. Il se rappelle le funérail de mon vieux, il avait chanté lui et tous ses amis. Guy Vincent, c'est le neveu de mon vieux, c'est le ministre Ibrahim Seba Congo, le maire de Kumasi, c'est le bon frère de mon vieux, il sait, il avait fait campagne, mon vieux, à Numango. Tout cela, ils savent, M. François Marcel, le député de Makori, le frère de mon vieux qui l'a soutenu. C'est que mon vieux a donné son poste, mon vieux dit, c'est super, vas-y. Il sait, tout cela, il doit me revenir, il doit venir vers moi, payer les paris. Ah, vous pouvez dire, gros qu'un, hein? Le vieux père comme ça qui va venir vers toi, ça, tu parles vers lui. Il y a quand il vigile que toi, on t'entend. Toi, tu peux t'arrêter. Donc, il a dit, viens moi, vous connaissez bien ma localisation. Envoyez-moi au GPS, on se trouve. Donne-moi rendez-vous sur mon. Bon, quand il dit, viens, viens, venez, viens. C'est pas obligé que non, mon fils. Il dit, non, mais là, si le vieux mort est rentré dans mon réseau une fois. Mais moi, bah, le vieux mort, il dit, va me voir un tchèpo. Je dis, lui, il raconte quand même. Il va venir une fois derrière moi, il va se rappeler. Il va savoir, oui. Qu'il va venir derrière moi, il va savoir. Il connaît la tête. Ils connaissent. Ça va vous dire que c'est un tchèpo. Ça va vous dire que c'est parole en l'air. Ils savent. Ils connaissent mon vieux. D'accord. C'est l'étoile qui suit. Mm-hmm. Comme moi, il n'y a rien. Un matin, bon, je sais qui m'appelle. C'est mon vieux qui a dit, voilà mon fils. Prenez-le, faites quelque chose avec mon fils. Ce qu'il n'a pas terminé, il a fait ça. La femme. Mm-hmm. Tu comprends? C'est important. C'est important. Alors, est-ce que tu as une sortie d'album qui est prévue? Est-ce que tu prévois sortir un album? Ou bien tu vas continuer en single, mm-hmm. Quand on dit album, album, on va faire des albums chantés, mais si c'est des albums, c'est une maison de production qui vient, tu te donnes Dieu, maison, villa, quand tu fais album pour eux. Toi, tu es fini, tu n'as pas besoin de donner maison, villa, tu dois donner album, c'est pour eux. Mais si on fait 12 milliards, il y a 4 heures. Et que si toi, tu es en prestation, tu as demain, tu as attrapé pour toi, tu as rentré dans ta villa que tu as donné là. Mm-hmm. Si tu as pu avoir un peu pour moi, tu as tout là. C'est tout. Mm-hmm. Tu as le développement. Ouais, je vois, ouais. Alors, sinon, toi, Fafa, tu avais chanter. Quel album? Tu as acheté quel album que Gaou n'a jamais chanté? Faites une photo, c'est single. Et ça, vous savez comment le développement de du Yo? C'est une photocopie qu'elle a. C'est une photocopie un peu. Même si c'est pas dans le même style, même si démarqué un peu. Si tu veux tout faire là, c'est trop copier-coller. C'est copier-coller, c'est trop dans le mouvement. Mais démarque-toi un peu, fais pour toi seulement. Tu comprends plus? Ouais, je comprends très donc, bien. Donc, j'ai pas fait un album. Je dis que moi, je chicote mes titres. Deux joueurs sont bloqués. Eux connaissent. On dit freestyle de Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui a quelqu'un. Il fait freestyle matin, midi, soir, matin. C'est comme on avait le trophée, vous dites que ouais, toi là, tu es freestyle de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que là, s'il fait clip, il fait son chaque matin, meilleur artiste encore de Côte d'Ivoire. Mais ça vient. Et si derrière, si la ligne qu'on y arrive, il y a payé les tests. À l'école, quand il est en 5e, mon professeur m'a dit, qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Il dit, je deviens athlète. Tous mes amis ont commencé à rire.
qui m'ont my name is Don Bishop, my policeman, doctor, c'est un moment. Allez, là, son photographe. Le photographe, c'est pas un métier, quoi. Mais si c'est pas un métier, mais c'est que. Non, il demande si c'est un métier noble. Uh-huh. C'est un métier noble, c'est un photographe, mais c'est une manière de parler, de dire non. Quand je suis devenu dans la vie, bon, my policeman, is doctor, il y a des gens. C'est dans le livre, il y a pour parler. Mais hier, c'est terrain. La sortie photographe. Mon hier. Moi, j'ai dit devenu athlète. Donc, ça arrive. Mais athlète, t'es devenu chanteur. Je suis une courrier à eux. Là, on a une courrier. C'est pour courrier à eux sur tout le terrain. Même les comédiens n'ont pas qu'à. Mais c'est pourquoi n'ont pas qu'à. N'ont pas qu'à. Tu vois, sur tout le terrain, le courrier, tu n'as pas envie. Ouais, ou autre, battez-le là. C'est eux. Est-ce que faire de bio à une chérie actuellement? C'est une chérie. Eux, quoi, les éducateurs, c'est qui ça qui vous m'a. C'est qui ça qui vous m'a. C'est qui ça? C'est ta chérie, c'est ça? Pas les chakis. Ah, donc faut profiter pour lui dire en même temps que tout ce qu'on dit sur toi, c'est pas on dit que ton affaire les femmes est trop, que Fier de Bio même dirait que c'est danseuse, tout ça là. Que Fier de Bio vraiment, il est vraiment, il reste pas tranquille en fait. Il est très indiscipliné. Comme je vous dis, moi c'est pas au Dieu qu'on a touché 100 000, 200 000, 400 000, 500 000. On dit que depuis on était petit, après moi il voulait être mon Dieu. Tu comprends plus? Tous mes amis à nous reconnaître. Moi, je voulais mon vieux, tout le monde, il gagne des petits bouteurs, il charge ici un claquet, c'est qui les bouteurs, c'est qui, quand tu as commis le courrier, eux, même les gars, même là, on dit que, le courrier, eux, surtout le tatami, les petits galops, ça vient, on dit, eux, les députés, les roses, à ce moment, on frottait, à ce moment, c'était l'époque, les roses, t'as connu ça, on voit que les jeunes garçons, les roses, ils arrivent, Mario, les Côte d'Ivoire, pour un moment, les derniers, à ce moment, on appelait Benji, Choco, tu vois, Benji, c'est Mario. Et tu chantes encore Benji. Partout, tu viens mettre ton nom derrière. Ah, Benji, Benji, c'est le diminutif de ton vrai prénom, en fait, c'est ça? Bon, Benji, c'est ça? Même pas Benji, mais Arke, Jomo Soupa, Ali Junior, il m'a dit chaque dimanche, ma mère. Ma maman. Arke, Ali, Jomo Soupa, Ali Junior, il m'a dit chaque dimanche, ma maman. Mais ça a quoi à voir la question? Parce que Ali, comment est Ali? Écoute, Arke, Ali, Jomo Soupa, Ali Junior, ça a dit chaque dimanche, ma maman. Comment le Ali va le plus les dimanches, ma maman? Ali est censé aller à la mosquée. Pourquoi Ali va à l'église? Non, on veut savoir. Pourquoi le Ali va à l'église? Pourquoi? La question reste posée. Juste, mais comment il parle vraiment dans un moment le développement après la question va se poser à la maison là-bas. Oui, ah, c'est un Ali, il ne va pas à la mosquée, il va à l'église. Elle est sa maman. Elle est sa maman en plus. Qui est son papa? Fier de Bio. Ah non, c'est super. Alors, Fier de Bio, dis-moi. Voilà, on est presque à la fin de notre entretien. Moi, je veux que tu. Alors, si tu laisses un dernier mot à toutes ces personnes qui te découvrent, qui aiment vraiment ce que tu fais, qui te suivent et tout, quel est ton mot de fin pour moi? C'est tout, c'est l'encouragement, tu vois, c'est tout ce qu'il veut. Encouragement, même s'il est différent, encouragement sur moi, toutes mes bêtises. Encouragement sur moi, ça allait. Tout ce que mais on ne peut pas t'encourager si tu fais des bêtises, c'est ça le. Encouragement sur moi, ça allait. Un enfant qui veut rien, tu le tapes, tu le gifles. Un enfant qui veut rien. Encourageons-nous sur nous. Ah, faut l'encourager à être un vaurien. Non, je dis, t'as mal fait, hein. C'est pas grave. Prochainement, tu as fait mieux. Fais sur moi, c'est pas grave. Fais sur moi. D'accord. Mais si, fais sur moi. Mais les millions de vues que tu as eu là, est-ce que tu n'as pas boosté par hasard? De quoi? Est-ce que tu n'as pas. On dit, on paye pour avoir les. On est vous payer, vous les. Ah. Surtout vous les jeunes artistes là, vous payez jeunes pour artistes. Avoir les millions de vues. Mmh. Jeunes artistes, les vidéos. Pourquoi les vieux artistes là? C'est les vieux artistes là qui disent, eux ne peuvent pas payer. Genre, quand tu es vieux artiste, tu n'as plus le droit à payer. C'est quand tu es jeune, tu payes. C'est le moment de jeune. C'est qu'à partir du moment où il y a 11 ans, il revient encore la jeunesse, il est payé. Donc toi, tu n'as pas payé. C'est... Mais si on payait, les vieux m'ont là, on va payer. Mais quand je dis on paye, bon, nous, on dit on n'a rien. On dit les jeunes artistes, ils n'ont rien. Mm-hmm. C'est eux qui sont là. Mais pourquoi ceux qui sont là, on ne paye pas? Mais ceux qui n'ont pas là, eux, ils sont à payer. La question reste posée. Ça reste posé encore. Mm-hmm. Qu'on paye, ça vous dit que c'est que c'est lui le plus riche du Boeing. Mais si, il a payé 1 million. C'est que c'est cher pour payer là.
Pour payer, c'est cher. Donc, si elle paye, peut-être mon père est député, il a payé pour moi. Mais il continue à payer. Alors, Fia de Bio, tu ne vas pas nous laisser comme ça. Il faut que tu nous fasses un petit freestyle. Okay, il peut me lever. Mets-toi à l'aise, on n'a pas froid. Quand j'ai apporté mes bagues, j'ai marché comme un ado. Il s'amuse tous mes frères sont de même taper ses coups d'où Laurent Barbeau, Roméo et Juliette dans un bateau, qui te vole avec sa beau cadeau. C'est mon ami, où est mon cadeau? Si tu n'as pas, t'as pas mangé gâteau. Si elle est en Haïti, demain matin, elle fait fit avec Dabato. Lui coucher, ça c'est Dabato. Si elle aussi, tu connais Bato. Jean, tu es trop choco, un peu seulement, tu commandes taxi. Faut envoyer nos ailes, elle est même beau. C'est moi le plus nouveau. Taquin. Bien, bien, bien. Mesdames et messieurs, nous étions avec l'artiste Fior de Bior qui vient de nous gratifier d'un magnifique freestyle. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je salue toutes les personnes qui nous encouragent, toutes les personnes qui soutiennent l'émission Fafa. Sortez couverts, protégez-vous. On est ensemble, le Covid-19 existe et soyons tous prudents, soyons tous vigilants. Protégeons-nous pour protéger nos familles.